Et on va parler maintenant de l'économie sociale et solidaire. C'est une économie pourvoyeuse d'emplois dans le milieu associatif. Et pour lui donner un nouveau coup de pouce, la PROCEP a présenté aujourd'hui le contrat associatif territorial. Il est soutenu par la région Guyane. En voici un exemple dans un club équestre à Montcinéry. Roland Pideri, Abel Parnasse. C'est dans ce parc dédié à l'équitation que Jean-Baptiste travaille depuis un peu plus d'un mois. Il est embauché en CDI par l'association Les Écuries de Mariva, dont il est aujourd'hui le coordinateur sur le site équestre en construction. Alors mon rôle premier, ce sont la coordination des chantiers d'insertion, qui vise en fait à, c'est pour les bénéficiaires du RSA ou de la mission locale, pour apprendre les métiers du cheval, donc le métier de palefrenier, les métiers visant aux soins et à l'entretien des écuries, le soin des chevaux, tous les métiers attrayants au centre équestre en fait. Cette toute jeune association a demandé l'aide de la PROCEP pour concrétiser l'embauche de Jean-Baptiste. La PROCEP qui a présenté aujourd'hui le contrat associatif territorial est un trait d'union entre les associations et les partenaires institutionnels. Elle a développé une plateforme commune pour mutualiser la gestion administrative et financière des associations. On garantit aux collectivités d'avoir des dossiers en bonne et due forme, c'est-à-dire que on demande aux associations de quoi elles ont besoin. C'est eux qui choisissent, ils ont une enveloppe. Donc ils vont voir les meilleurs rapports qualité-prix par rapport à leur projet. Et nous finançons. On ne redistribue pas les subventions. On finance ce dont ils ont besoin. L'association a ainsi reçu 3000 euros pour s'équiper en matériel de bricolage et d'entretien. Sans cette aide, c'est des moyens qui sont lourds pour une petite association comme nous. Et puis, par exemple, sur la location du matériel, c'est une location qui va être vraiment temporaire. Grâce au contrat associatif territorial dont la région est partenaire, 18 projets sont suivis. Un petit bond vers l'insertion des publics dans la vie professionnelle, avec à la clé la création de 11 emplois.